Salut, ici Missing et on se retrouve pour l'épisode 281 du Challenge Apocalypse. Donc dans l'épisode précédent, on a continué à faire monter la notoriété de Florent, même si ça sert à rien, comme je disais dans l'épisode précédent. En vendant des toiles, il atteint le niveau 3 quand même, ce qui est déjà pas mal. On a pas mal de gens de la famille qui sont malades, donc on va aller un petit peu les faire se reposer. Et toi, tu fais rien, et comme tu fais rien, eh bien, tu vas être désigné pour aller nettoyer les toilettes que je viens de voir. Complètement dégoûtant, tu vas aussi t'occuper un petit peu de la lessive parce que quelqu'un l'a lancée et on s'en est pas occupé pour le reste. Donc, non. Donc, il n'y a pas besoin de nettoyer le filtre. Par contre, tu peux vider la lessive et la mettre au sèche-linge. Et tu vas relancer une lessive, s'il te plaît. Voilà, sèche-linge. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Et tu vas ramasser les tas de vêtements. Mais tu vas tout seul. Donc, magnifique. Donc, tu n'auras pas forcément besoin de le faire. Par contre, non, attendez, attends la suite. Par contre, toi, je t'aime beaucoup, mais ok, super. Et si tu pouvais éviter de environnement lassant, non mais t'es sérieux? Tu es monsieur, tu es sérieux? Ouais. Tu es vraiment, vraiment sérieux. Cette maison te lasse, bien sûr. Écoute, elle est toute neuve. On vient de la faire et tu te fous de moi. Tu trouves que ta maison, déjà, elle t'embête. Tous les meubles sont neufs quand même. Mis à moi, ok. Là, c'est pas neuf, mais quand même. Tout le reste de la maison est neuf. Et si tu pouvais éviter d'aller jouer avec l'ordinateur de... qui ne sont pas à toi. Alors qu'il y en a d'autres ailleurs, ça serait bien. Prends une douche. Tiens, tu vas prendre une petite portion et ensuite tu vas aller nous faire des toiles. Pas du tout parce que ton environnement est lassant. Non mais n'importe quoi. Tiens, le retour de Emily. Ça y est, t'es guéri. Super. Donc tu vas pouvoir aller aux toilettes, s'il te plaît. Merci. Et oui, tu vas devoir remonter les escaliers. Et tu vas aller manger aussi. Hop. Il repleut, ça m'étonne pas. Par contre, on a toujours cette texture bizarre là de traits. Je sais pas ce que ça va donner. C'est beau quand même. Petite maison sous la neige. Hop. Montrez-moi ça. Ah, mais il y a toujours quelqu'un qui se met quand je veux prendre une photo. Il y a toujours des gens qui passent. Pour voir ceci dit, c'est normal qu'il y ait des gens qui passent, mais. Moi, j'aime bien. Je suis fier de moi. Je suis très fier de moi. J'attends de l'avoir sous la pluie. Magnifique. Et donc, en fait, je sais pas s'ils ont. Ils ont changé, en fait. Parce que je me souviens plus que le toit en verre devenait aussi un peu gelé. Il me semble que c'était pas le cas avant. Est-ce que ça faisait sur le toit aussi? Je sais plus. Bref. Bref, je sais pas. Et puis on s'en fiche un petit peu. Je trouve qu'ils vont quand même vachement plus se parler. T'as fini de manger? Mais tu devais. Ah non, mais il n'y a plus à manger. Alors attendez. Toi. Tiens, va faire à manger plutôt. Ouvrir. Tu prends une pomme. Et tu vas me faire à manger. Va me faire des fruits grillés. Toi. Tu vas faire tu vas faire une toile réaliste pendant que lui fait à manger. Toi, tu vas finir de manger. Non, je sais pas ce qui est dégoûtant, c'est ça? Ok, donc t'es en train de manger un truc dégoûtant. Tu vas peut-être arrêter de le manger en fait. Tu vas pouvoir nettoyer. Toi, t'es discute. Oh, ils sont quand même vachement plus sociables qu'avant, dis donc. Tu vas pouvoir. Ah mince, c'était pas le bon. Je crois que c'était toi. Qu'est-ce que tu fais? Non mais sérieusement. Tu as légèrement un problème de routage, non?
Tiens, tu vas aller faire crac-crac avec la dame. Amour, plus de choix. Faire crac-crac. Peut-être pas dans le buisson, hein, on va pas vous laisser sortir. Tu vas mettre la table là-bas. Ok. Bah, si tu veux mettre la table là-bas, c'est génial. Je sais plus si mettre la table sur une table en particulier, ça les encourage à aller manger ailleurs. Enfin, à manger sur cette table. Bon, ça serait bien si, quand ils font ça de manière autonome, ils choisissaient des trucs différents. Parce qu'ils mettent toujours le rouge. Mais en soi, le rouge, c'est pas forcément le mieux. Je crois qu'en fait, quand ils mettent ça, ça les force à aller manger quelque part. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. Parce que si on fait un repas de famille, on peut les forcer à venir manger là, quoi. Parce qu'ils vont, à mon avis, ils vont aller chercher directement la table où il va y avoir le 7. C'est bien ça. Ah oui, je veux dire, c'est quoi cette musique? C'est le crac-crac. Magnifique. J'aime bien ces fenêtres. Avec les petits vitraux. Ce serait bien si on avait des fenêtres, mais tout en vitrail. Ça serait cool. On en avait dans le 3. Alors j'aime. Le 3, il y a des choses qui faisaient pas très bien, mais il y a des choses qui étaient sympas. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était un set du store. Bon, forcément, tout le monde l'a pas eu, hein, parce que vu le prix des sets, c'était un peu abusé. Et encore pour la petite histoire, les Français ont réussi à faire baisser le prix des 6 points à l'époque. C'est magnifique. Il y avait un truc de souffleur de verre et on peut faire plein de petits objets. Et je crois qu'il y avait des fenêtres spéciales, du coup qui étaient les vitraux. Est-ce qu'on peut gagner? Non, ok. Oui, ben oui, tu peux te frotter les épaules et tout ça. Refais-moi une toile réaliste, s'il te plaît. Ça fait monter un petit peu moins vite quand même là. Vous remarquez, ceci dit, on a moins de toile à vendre. Qu'est-ce que t'as fait encore? Excuse-toi, s'il te plaît. C'est qui qui est méchant? C'est toi qui es méchant? Je sais plus. Il y en a un qui est méchant. Mais non, t'es pas méchant, toi. C'est ton frère encore qui a fait ça. Ah, super, alors toi t'as fini, on a fini de faire crac-crac et tu t'en vas. Magnifique. Utilise, prends une douche. Et toi, tu peux peut-être nettoyer les assiettes, s'il te plaît. Histoire de. Oui, bah écoute, bah, puisque tu y seras, hein, tu pourras pouvoir aller aux toilettes. Puisque tu y seras, hop, tu vas pouvoir utiliser. On va te faire. Vas-y, on va te faire tirer la chasse. Quand tu auras fini, on va te faire. Ah, mais non, le truc a disparu. Et tu vas faire un peu de sport, tiens. Hop, entraînement épique, ça t'occupe. Toi, t'es revenu du travail. Non, je dis n'importe quoi. Si tu vois, tu as un rencard avec moi. Non. Ou remarque qu'on aurait pu. En fait, vous faites quoi, tout cela? C'est une réunion. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, va nettoyer ça, toi. Donc, Farah est rentrée. Ah, mais t'es rentrée depuis quand, toi? Écoute, tu vas aller manger. Farah, tu as pas faim. Tu vas aller regarder la. Ch non, tu vas aller jouer aux échecs, ça te coupera. Toi, tu. Attends. Vends ton tableau, s'il te plaît. Ensuite, prends une portion. Merci. Voyons voir. Ah, ça monte vachement moins vite. Toi, qui es là, tu vas aller faire du sport aussi, tiens. Non, viens ici, tu vas aller. Je me rends compte, j'ai même pas remis de trucs pour faire du yoga, tiens. Et la table de massage et tout. Je pense que je les mettrai quand j'aurai refait cette partie en genre salle de sport. Je pense que, bon, à mon avis, je fermerai là. Ça ferait un couloir. Ça restera un petit peu le comment dire le coin lessive. Je pense que je mettrai les trucs de j'essaierai de caser les trucs de yoga aussi. Alors toi t'es rentré aussi, tout le monde rentre en même temps en fait, c'est magnifique. Tu vas non tu mets pas la table par contre, non mais non plus. Par contre ce que tu peux faire c'est non plus c'est prendre une portion. Ensuite tu iras regardez la télé. Tout à fait de manger, magnifique. Donc tu vas pouvoir faire tes devoirs, s'il te plaît. Hop. Où est-ce que t'en es? Est-ce que t'as bientôt ton. Ouh, bah voilà, ça va être bien. Tu vas bientôt avoir ton A. Voilà. Donc toi, t'as fini.
Donc tu vas pouvoir lui apprendre, enfin l'aider à faire ses devoirs, lui apprendre à faire ses devoirs, pourquoi pas. Est-ce que tu veux faire un tableau en particulier, pas d'un chef-d'œuvre? Ah oui, alors ça va pas être trop de mon ressort. Si tu peins pas de chef-d'œuvre, je vais pas pouvoir les peindre pour toi. Ça. Donc du coup. Vas-y, non mais fais ton truc. Voilà, hop, t'as fini tes devoirs, c'est bien. Et tu vas. Est-ce que t'as envie de jouer? Donc tu attends, tu vas aller aux toilettes d'abord. Mobiliser toute l'équipe. Va aux toilettes. Moyen, super. Tire la chasse. Et ensuite tu vas aller jouer au docteur. Hop, ça fera monter ton. Ah, la neige. Ouf, la neige. C'était magnifique. Jouer, 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 jouer. Ok, super. Je veux voir la maison sous la neige. Je veux voir la maison sous la neige. Oula, contient. Je pense qu'il y a un petit problème. Je sais pas ce que c'est, mais. Oh, c'est beau. Elle est belle, ma maison. Oui, je me jette des fleurs encore. Je crois qu'il y a. Voilà, c'est ça. J'allais dire, il n'y a pas toute la maison. J'adore la petite fumée qui sort. J'ai toujours aimé ce détail dans les Sims. La petite feu. Ouh, mince. C'était pas forcément le bon bouton que j'ai cliqué. Que j'ai tapé. Cliqué, tapé. Hop, mince, non. Là. Hop. Ce sera encore mieux quand tu pourras mettre des arbres. Parce que pour l'instant. Ah, j'avais perdu ma souris. Ouh, et du coup. Et ça fait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec les toits octogonaux. Non, je sais pas. C'est bizarre. Il y a un petit défaut d'affichage. Et c'est bien, du coup, j'ai l'impression que quand il neige, en fait, il n'y a pas la lumière des toits. Bah, si. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la lumière des toits. Ouf. Je me suis pris le micro. J'espère que ça s'est pas entendu. Non, mais tu vas continuer à faire du sport, toi. Ah, mais vous allez inverser. L'entraînement repousse ta limite. Toi, t'étais. Alors, au lieu de faire une sieste, tu peux aller prendre une douche et ensuite dormir. Ah, t'étais malade aussi. Tout le monde est malade, c'est pas possible. Oui, alors, t'as envie de nettoyer. Mais va nettoyer, vas-y. Nettoie donc. Oh, ça brode bien ton empathie. Ah, mais. Faudrait pouvoir avoir le moyen, même s'ils sont crasseux, de leur apprendre à ranger, à mettre les affaires dans le bac. Genre quand ils sont petits, tu leur apprends, tu dis non, il faut pas mettre là, il faut les. Et hop, pouf! Ils apprennent à, même s'ils sont crasseux, ils apprennent à le faire. Même si ça les ravit pas, et tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu veux faire? Laver le linge. Non, mais alors écoute. Toi, tu vas continuer à faire des toiles, s'il te plaît. Merci. Non, tu vas aller aux toilettes. Attends, viens ici. Tu vas utiliser. Et ensuite, tu vas. Toile réaliste. Grande toile réaliste, voilà. Toi, je crois que tu avais faim. Donc, tu vas pouvoir arrêter. Tu vas aller manger. Toi, tu fais du sport. Toi, tu es parti dormir. Et tu as mis du linge partout. Du coup, quand tu auras fini de manger, je pense que. Tu fais quoi, toi? Ah, ok. Ah, je crois que tu étais parti en haut. J'allais dire, non, mais t'as pas besoin de monter pour faire ça. Donc, toi, pouf, dépêche-toi de manger. On a besoin de ranger le linge après. Ah là là. C'est le dernier jour de. Ah, avant-dernier. Et du coup, toi, hop, viens ici. Curieux à propos des groupes. Raison n'est pas une réunion de groupe. Bah, ok. Ah mince, j'ai pas désactivé ton groupe? Bah, si. Bah, alors, qu'est-ce que tu me dis, toi?
Et l'accouchement, on sait pas trop quand ça sera. Très franchement, oui, ça peut peut-être être dans cet épisode, on verra. Ça m'étonnerait, hein, je voudrais pas trop vous faire espérer, mais on sait jamais. Donc vas-y, puisque tu vas le nettoyer là, mais non, mais t'es pas obligé de t'arrêter de nettoyer en fait. Oh, ils sont pénibles. Poubelle. Du coup, t'en es où toi? Écoute, tu vas finir de jouer. Ton empathie a bien monté. Ah oui, c'est vrai, t'es végétarien toi. Vends un collectionneur. Tiens, fais une toile classique pour changer un petit peu. Hop, toi. Ok. C'est vrai que c'était une bambin au top. Ah, mais toi aussi. T'as vachement de traits en fait. Mais ils sortent d'où tous tes traits? Ah, mais oui, créative, romantique, et après c'est que des trucs qu'elle a débloqués. Quand même vachement de traits. Bravo. Félicitations. Du coup, hop, ici, on en est où? Prendre et emmener le linge. Propre et humide, sécher le linge. Ça, tu vas pouvoir faire fouiller les poches, fouiller les poches, fouiller les poches. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Toi, tu fais quoi? Non, laisse ça. Tu vas utiliser, prendre une douche, s'il te plaît. Et tu peux plus. Non, tu peux plus. Tu vas aller manger si c'est possible. Je sais pas combien de temps il reste. 7 minutes, non. Donc tu vas nettoyer. Et tu vas refaire à manger. Pouf. Faut toujours qu'il y ait quelque chose à manger. Hop, non, viens ici. Voilà. Griller des fruits grillés. Donc toi, t'as fouillé. Ah, et ça s'est cassé. Pour changer. Alors. Tu veux me réparer ça, s'il te plaît? Allez, on y va. J'aurais peut-être dû mettre une poubelle aussi en bas. Donc ça, c'est réparé. Nettoie le filtre, sèche le linge. Ramasser l'état de vêtements. Hop. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. Donc tu vas pouvoir faire la lessive, mettre dans le lave-linge, faire la lessive, mettre dans le lave-linge, faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Oui, il fait froid. Alors ça c'est fini a priori. Mais non. Prends déposer le linge, s'il te plaît. Ok, super. Mais non, mais t'es pas obligé d'aller le poser quelque part. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge, hop, comme ça, on lave tout en même temps. Laver le linge, s'il te plaît. Super. Va jeter ça. Donc toi, t'es allé dormir dans ton lit, c'est très bien. Je sais pas où t'en es dans ton empathie. Presque rempli. Magnifique. Toi, t'as fini de manger, donc tu peux aller nettoyer ça. Et je pense qu'on va aller te faire dormir. Hop, ici, dormir. Toi, tu vas aller jeter ça, c'est super, et tu vas pouvoir aller dormir ensuite. Là, hop, tu vas aller dormir. Et ici. Hop, va dormir, on s'en fiche que tu te déplaces. Et du coup, est-ce que... Alors, est-ce que c'est toi? Alors, ils peuvent prendre, gagner la notoriété en vendant des toiles qui n'ont pas été faites par eux. C'est pas très bien, ça. C'est pas très moral, on va dire. Je sais pas. Je sais pas si on va avoir l'anniversaire, si on va avoir la naissance de l'enfant de. Alors, toi, tu es debout, magnifique. Alors, c'est juste au moment où on a la vitesse méga rapide, pouf, c'est plus possible. Ça fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. C'est vrai qu'on a eu les fantômes, mais ils ont disparu vachement. Vachement tôt par rapport à 18. Alors, attends, non, viens ici. Tourne-toi. Tire-moi la chasse. Prends une douche. Eh ben voilà, ils ont allumé le dernier feu de cheminée qu'il fallait allumer. Ils l'ont fait. Vous l'avez rêvé, ils l'ont fait. Tenez debout aussi.
T'as fini de dormir. Magnifique. Il y a déjà plus à manger? C'est déjà périmé? Bah écoute, il va falloir refaire. Ouvrir une petite pomme. Hop, et tu vas griller des fruits grillés. On est samedi. C'est le dernier jour de l'hiver. Demain, c'est le printemps. Tout va bien. On est reparti pour 3 semaines de temps qui n'est pas l'hiver. On va espérer qu'on n'aura pas de neige pendant tout le printemps. Parce qu'il y a des printemps où, malheureusement, dans le jeu, ça ressemble un peu à l'hiver. Bon, après, c'est. On peut considérer que c'est normal. Ah, mais c'est samedi, donc monsieur Albus ne va pas à l'école. On aurait pu l'inscrire à un cours de théâtre ou un cours de scout. Un cours de scout. Un groupe de scouts. Nettoie-moi le filtre, s'il te plaît. C'était pas obligé de ramener la vaisselle tout en bas. Hein. Non, tu vas pas lui parler. Vider la lessive. Mettre au sèche-linge. Hop, tu mets ça là-dedans. Tu sèches le linge. Ensuite, tu vas aller utiliser. Prendre une douche. Tire-moi la chasse. Et tu vas retourner courir. Courir. Faire du sport. Toi, tu vas manger, discuter. Toi, tu vas aller manger aussi. Je sais pas si tu vas manger avec eux. Non, il a décidé de faire bande à part. Tant pis pour lui. Je sais plus à quelle heure on a fait faire crac-crac à Gaius. C'est une bonne question. Ouh. Tu veux pas accoucher? Où tu vas comme ça? D'accord, tu vas au sous-sol, mais c'est vraiment n'importe quoi. Toi, t'as besoin de divertissement. Tu vas surfer, bah surf sur le web, profites-en. Toi, t'as faim, donc tu vas manger. Ok, jusque-là, on est d'accord. Ah, mais il y a carrément. Mais il y en a combien en fait? 6h58. Il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Et comme c'est plus grand, ça passe presque inaperçu. Oui, bah oui. Par contre, ce que tu vas aller faire, comme. Tu vas l'écrire dans ton journal intime. Comme t'as tout son divertissement rempli. Ça sert à rien que. Par contre, tu peux enlever ton manteau en fait. Tenue, changer de tenue. Hop. Parce qu'il fait pas chaud à l'intérieur. Enfin, il fait pas froid à l'intérieur. T'es à côté de la cheminée quand même. C'est pas pour dire, mais. Donc toi t'as fini, tu vas pouvoir ici utiliser et prendre une douche. Et ensuite tu vas pouvoir vendre un collectionneur. Toi t'es debout, t'es en train de manger, tout va bien. Toi t'es debout, t'es en train de faire du sport. Toi t'es debout, tu regardes la télé dans ta chambre. Hop, tu vas l'utiliser. Prendre une portion. Toi aussi tu peux t'habiller en fait. On pourra presque aussi changer de tenue. Leur faire un petit relooking puisque ils sont quand même maintenant dans une maison où on peut faire des recherches. On peut faire des recherches, effectivement, puisqu'on a un ordinateur, mais où ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, ça serait bien pour certains que leur look reflète un petit peu ce changement de statut, parce que c'est vrai que sur les relookings précédents,
J'étais très axé sur ils vivent un petit peu dans une cabane au milieu du désert, enfin du désert, au milieu d'une zone désertique, donc ils ont un petit look camping. Voilà. Tu veux pas les réparer ça, s'il te plaît? Je sais pas quand est-ce que tu vas coucher, mais si tu pouvais les réparer, ça serait bien. Ça serait même génial, comme on dit. Oui, mais dépêche-toi. Ah, il fait froid. Pas que je pense à mettre une cheminée là-dedans, mais... T'as froid toi aussi ou pas? Ouais, t'as froid. Oui, ben nettoie. Un jour, enfin, autant il y a des trucs pratiques quand qu'ils font tout seul, autant il y a des trucs... On aimerait bien qu'ils s'abstiennent. Mais là, a priori, ils sont bien partis pour tout faire le ménage tout seul. Prendre et emmener le linge. Fouiller les poches. Comment ça, Yafana? Prends et emmène le linge. Bah, y a personne. Qu'est-ce que t'as fumé? Ah, ton travail commence dans 1 heure. Ok. Écoute, finis ça et puis on verra bien. Toi, tu veux quoi? Tu veux parler avec ton frère? Ah, je vais dire ton frère, il est là, mais non, en fait, pas du tout. Va vendre ça à un collectionneur. Et ensuite, tu peux faire ce que tu veux puisque tu vas pouvoir aller travailler dans 26 minutes. En tant que mécène, vous avez bien adopté. Tout va bien. Vous avez bien adopté le fait que vous devez gagner le contrôle des émotions. Ça va pas du tout. Je raconte n'importe quoi. Toi, hop, tu vas. Non, tu vas pas nettoyer ça. Tu vas laisser le nettoyage à quelqu'un d'autre. Par contre, tu vas aller, hop, faire un entraînement. Toi, tu vas aller de nouveau manger. Voyons voir. Non. Hop, tu vas pouvoir manger de nouveau. Et tu vas pouvoir aller dormir. Toi, t'es réveillé, mais en fait, non, j'ai rien dit. J'ai dit, toi, t'es réveillé, mais t'aurais dû aller continuer de dormir. Mais c'est vrai qu'elle s'est réveillée il y a un petit moment. Bah, écoute, toi, joue au Big Block si ça te fait plaisir. Toi. Tu fais ton truc et ça a l'air de te faire plaisir. Ah, ça faisait longtemps. Oui, j'ai pas changé les traits du terrain. Donc ils ont toujours le tremblement de terre. Hop. Ah, c'est maintenant que tu réagis. Hop, tu vas pouvoir faire une course tranquille. Toi. T'es en train de faire je sais pas quoi, plus de choix, web, faire des recherches sur les actions. Toi, t'es en train de d'aller regarder la télé ailleurs alors que t'as une énorme télé. Faut quand même pas exagérer. Et toi, on continue à te faire monter le contrôle des émotions, sachant que. Sachant qu'il faut que ça soit rempli chez toi. Excusez-moi. Je t'ai pris de bail, moi. Je voulais éviter de vous bailler à la figure. Te je sais pas à quelle heure. Il reste 5 secondes. Si on veut pas dépasser la demi-heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Hein. Et puis. On va garder le suspense. On va garder le suspense du bébé de... Mais non, mais je t'ai dit de nettoyer en fait. On va garder le... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là et on va garder le suspense de l'enfant de Gaius pour mais du coup le prochain épisode. Puisqu'on n'est pas arrivé là où il faut au bon moment. Je crois que c'est... Et on va avoir des anniversaires très très prochainement. Hop. Bon, pour l'instant ça va, mais bon. Alors attends, tu vas juste nettoyer ça et nettoyer ça.
Donc du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!